Le 6 juillet au matin, mon ange, mon tout, mon moi. Seulement quelques mots aujourd'hui, et cela au crayon, avec le tien. D'abord, mon appartement n'est réservé avec certitude que jusqu'à demain. Quelle inutile perte de temps avec ces détails. Pourquoi ce profond chagrin lorsque la nécessité parle? Notre amour ne peut-il survivre autrement que par des sacrifices, qu'en ne réclamant pas tout? Peux-tu changer que tu ne sois pas tout à moi, et moi pas entièrement à toi? Adieu, contemple la belle nature et apaise tes esprits au sujet de ce qui doit être. L'amour exige tout, et à bon droit. Ainsi en est-il de moi avec toi, de toi avec moi. Seulement tu oublies si facilement que je dois vivre pour moi et pour toi. Si nous étions totalement réunis, tu ressentirais cette douleur aussi peu que moi. Mon voyage fut affreux. Je ne suis arrivé ici qu'hier, à 4 heures du matin. La poste a choisi un autre itinéraire parce qu'on manquait de chevaux. Quelle route horrible! La voiture s'est brisée sur cet affreux chemin défoncé. Simple chemin de campagne. Sans les deux postillons que j'avais, je ne serais resté en route. Cependant, j'ai éprouvé en partie du plaisir, tu sais, comme toujours, quand je surmonte un obstacle avec bonheur. Maintenant, passons vite de l'extérieur à l'intérieur. Nous nous verrons bientôt, sans doute. Aussi aujourd'hui, ne puis-je partager avec toi les réflexions que je me suis faites pendant ces quelques jours à propos de ma vie. Si nos cœurs étaient toujours serrés l'un contre l'autre, je n'en ferais pas de semblables.
Ma poitrine est pleine de choses à te dire. Ah, il y a des moments où je trouve que la parole n'est encore rien du tout. Égaie-toi, reste mon plus fidèle et seul trésor, mon tout, comme je le suis pour toi. Quant au reste, ce sont les dieux qui doivent nous envoyer ce qui doit être pour nous, obligation et devoir. Ton très fidèle Ludwig.